Est-ce qu'on va réussir au moins un, quoi? Sérieusement. Je vais changer mon col et je vais dire la cape de servitude. Cette fois. Je vais bien avoir un col qui sera bon, quand même. Allez. Le petit PA, c'est quand il veut. Limite. Ah bah, il suffisait de demander. Non mais, il suffisait de lui demander. C'est tout. Attendez, parce que la vague n'est pas finie. La vague n'est pas finie, c'était le début. Je vais continuer. Déjà, Vivi gagne un petit sort temporis. Ok, du coup, c'était la cape ardente. Qui a une sagesse absolument immonde. Merci, merci Lord. Allez, brisage PA, cape ardente, c'est parti. Putain, la sagesse est vraiment immonde. Hein. Heureusement que le reste du jet est pas trop dégueulasse. Hein. Les trois lignes du bas sont perf. Grosse P, dommage feu sont perf. Bon, le reste est assez moche, mais bon. On verra ce que ça va donner. Je serais tenté de mettre une Rasa, mais je pense qu'on mettra la Rasa à la fin. Ouais, ça commence très mal. Hein. Ça commence très très mal pour cette cape. Hein. Imagine, t'es sur... Putain. Bon, relativisons. Les repères sont dégueulasses. Mais d'un côté, je pense qu'on va choper pas mal de crits sur ce brisage. J'espère. J'espère. Yuaribox. Bien. On va mettre les repères à 9 tout de suite. Tranquillement, on alterne. Voilà. Tout doucement. Nickel. Nickel. Bon. Ensuite, on va mettre le tacle à 6. Voilà. Donc on enlève 8, on a encore 86. Maintenant. Non mais les premiers crits, c'était évident. Là, faut monter l'intelligence, donc il faudra à un moment donné over un tel et mettre une récrit. Et techniquement, plus on attend de le faire, plus on a de chance que ça bouffe du puits parce que l'item sera trop lourd pour pouvoir accepter un over à la fin. Il y a la sagesse à monter et la sagesse me fait chier. Et j'ai envie de mettre une Rasa, mais si la Rasa ne crit pas, le jeu est niqué en fait. Et ça me fait chier. À la limite, je pense qu'on va partir sur une triple passa. Non, j'ai encore mieux. J'ai encore mieux, sinon ce sera plus drôle. Je vais faire tout mon brisage. Et à la toute fin, je mènerai ça hors puits. Rien à foutre. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Après tout, c'est temporis, on s'en fout. Allez, la Raine. 10. 20. Alors, 66 de puits. 66 de puits, je vais redescendre ça. Ok, on remonte à 68 de puits. Petit ravi. Nickel. Maintenant, le dommage feu. Voilà. 63. Il faut over Vita. Il faut over la Vita, donc on va le faire tout de suite. Nickel. Alors, 53 de puits. Toujours 53. Maintenant, les repères à 9, s'il vous plaît. Ok, moins 6, on a 47. Franchement, ça peut être pas mal. Si on crit la Rasa à la fin, ça peut être pas mal. T'es atteint mentalement, c'est pas possible. Bah non, mais disons que... En fait, mettre la Rasa à la fin, ça me permet de remonter tout l'item avec 32 puits en moins dessus, ce qui fait que les runes passeront mieux. Là, je vais mettre la Rasa, je m'en fous. Donc j'ai 47. Alors, je vais mettre l'esquive. 42 puits, parfait. Ça va crit la première peut-être, la deuxième c'est moins sûr. Ensuite, repère. 6 et 6, 12. 18. Bon, là, ça fait chier, par contre. 24. On a encore 16 de puits. On a 10. Putain. Ça me fait chier, parce que du coup, ça me fait bien chier.
Ça me fait bien chier, là, j'ai plus de puits. Ça me fait bien chier. T'as pas compté la réplique qui a passé en crit? Si, je l'ai compté. Dans tous les cas, si je, même si, à supposer que je l'avais pas compté, il me resterait deux de puits. Là, deux de puits, je vais absolument rien en faire. Et maintenant, la Larrassa, mes amis. Maraboutons la Larrassa avec une rune de signature. Attention, mes amis. Je pense qu'elle va crit. Bon. Dommage. Dommage. Mais attendez, attendez. Mine de rien, c'est le retrait qui est parti. C'est la ligne la plus inutile qui est partie, en vrai. Donc, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Parce que du coup, j'ai 5 de puits. Et du coup, je peux monter le tacle. Perfect. Et voilà. Et voilà. Et du coup, c'est encore mieux qu'avant, puisqu'avant, il manquait un tacle. Il manquait du retrait. Salut Bilucci. Yo Damien. Et maintenant, on est sur une carte. Sur un perso qui n'est pas de retrait PA. La cape est plus coquetière, en fait. Je sais pas si quelqu'un va acheter cette merde. C'est pas mal, en vrai. Bon, c'est pas mal. On s'en sort plutôt bien. Et pour la peine, on va retirer un gagnant en giveaway. Ceci étant fait... nous sommes repartis pour les vagues. PTDR léger. Ah, capuche de 6 largues. 1 PA. Très bien. Le G, pas terrible, mais n'est pas non plus archi immonde sur un orbe. C'est quoi qu'on a passé? Capuche de 6 largues. Allons-y. Pour ce jet qui est pas trop moche. Pour un jet orbe. Et honnêtement, pour un brisage PA, si ça se casse pas trop la gueule, ça peut le faire. Faut juste qu'il saute le plus vite possible, parce que le jet est assez propre. Allez, saute. Ça y est, j'ai une vie de merde, ça y est. Enfin, pas ma vie à moi, la vie de l'item. C'est pas ma vie à moi qui est de la merde, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Attention. Alors, le PA qui saute... C'est quoi cette musique? Quelle est cette musique? Voilà, le PA qui saute sur une PAFO, et j'avais un peu de puits au-dessus, alors attendez. Alors, je mets une résistance R fixe, hein, qui pèse 2, et je perds un force et un critique. Soit, on est d'accord que ça, c'était une PAFO, hein. On est d'accord. Oui, donc j'ai 101 de puits, c'est bon. Dommage le crit, yes, mais c'est pas grave. En fait, j'ai 103, mais le maximum qu'on puisse avoir, c'est 101, du coup. Ce que je propose, c'est qu'on mette d'abord, tout de suite, la ravie. Parfait. Au moins, ça c'est bouclé. Ensuite, ouais, je vais faire pod plus fini. En plus, avec un peu de chance, la rune pod passe, et au final, ça fait que je ne perds pas les 2,5 de puits. On s'en fout que la rune pod passe dans l'absolu. Le principal, c'est que... Oui, mon masque. Je suis aveugle, je le vois pas. Il est là. Dans l'absolu, ce serait bien que ça passe, mais si ça passe pas, on s'en fout. C'est pour descendre la vita, en fait. Voilà, 404. On va le descendre, mais pas avec de l'initiative. Avec autre chose que l'initiative, genre... Un de force, avec un de force en fait. Attendez, j'ai acheté une force. Si jamais elle passe, c'est bénef. Je go descendre la vitalité avec une force. Voilà. On a donc encore 91. Je vais mettre une passa qui pourrait crit si tout se passe bien. Nickel. Donc toujours 91. On va la passer tout de suite, comme ça c'est fait. Excellent. Excellent. Excellent ça. On a toujours 91 de puits sur un jet comme ça, c'est cool en vrai. Là c'est cool, là c'est propre. Le critique, je vais mettre le critique. 10. 20, ça va. Ça va, on a encore 71, c'est correct. Ça rigole, mais les deux vont se soulever. Attends, on verra. Paini, je la sens en crit. Ok, d'accord. Ok, j'ai rien dit, je n'ai rien dit. Enfin si, j'ai dit que je la sentais en crit, elle a crit, c'est absolument ce qui s'est passé, je veux dire. C'était prévu, c'était tout à fait prévu. Alors, 65. Mettre le tacle à 9, le dommage à 15. C'est vrai que le pas fort à faux, ça me chauffe. On va essayer. On va essayer. Allez. Après tout, c'est temporis. On prend des risques. On est là. On est là. Allez, let's go. La dernière rune qui me fait vraiment peur. 10, 20, 30. Tout ça pour 1 de force. 40. 50. Bon, ma rip. Il n'y a plus de puits.
Un bridage qui avait si bien commencé. Un bridage qui avait si bien commencé. Et qui va donc remporter son père. Ça avait si bien commencé.